Montreal, Kirby Doc's got it. Slepkowski in front, scores! And Alex Newhook has his first goal as a Montreal Canadian. Slepkowski does here, though. He makes the play behind his own goal line and gets on his horse and gets up to the play. Doc doesn't have lightning speed, but look at Slepkowski. That takes Tavares first, split second. Klingberg is a little late getting there. He made the play in the other end defensively and then makes a heck of a backhand pass for an easy tap in for Newhook. But Doc with a nice reach around the stick. Slepkowski reach around the stick. Slepkowski. Newhook to Slepkowski. In tight. Scores! Juraj Slepkowski. A power play goal for his first of the year. And it's 1-1. And it feeds into his power play move here as he gets the return feed from Newhook, and he just takes it to the net, chips it over the shoulder of Joel Hofer. A nice play, taking that puck hard to the net, and you could see the relief on his face. A nice little give him go play. Suzuki scores! Juraj Slepkowski! Thinking, and maybe at times won't even shoot from here. You can see Suzuki waiting, a little saucer pass and a quick little shot. Slepkowski's probably had 10 or 12 of those kind of shots during the year that don't go in. Well, this time it's the right place, and where does he put it? Short side. Oh for one in his career, and he's got a chance to win it. Slepkowski builds speed to the slot, scores! What a move! Juraj Slepkowski, what a night! What a strong game by the 19-year-old, what a move right here. Patience just to get around the outstretched Levi's left leg right here, stops, he brings it back, and Levi just unable to get a little piece of it. And man, was he strong tonight. A chance to end it. The 19-year-old gets the job done. Look at that reaction. You kidding me? Qui n'attendait probablement pas cette passe. Slavkovski, Matheson, à Slavkovski. Tire dévié, filet au but! Matheson, à Savard. Le tir de Savard, et sur le retour! Est-ce que c'est Slavkovski? Suzuki encore avec un tir, filet au but! 21 seconds, 7 jusqu'à maintenant. Marazek, le filet tombe et le but! Push it around the near side. Slepkowski takes over. One-timer score! Boards, the Stars are out of sorts with their defensive zone coverage. I mean, you do that in practice. Puck in the corner. Tied up by Suzuki. Procheck towards it. 45 à la période, 1-0 Montréal. La Slepkowski. Qui jongle avec le disque, Pezzetta qui freine le long de la rampe, la rondelle glisse vers Savard, le tir dévié, le but! Une deuxième déviation et c'est 2-0 sur deux tirs au but. Suerson qui la cherche, entrée de territoire de Slepkowski, il jongle avec cette rondelle, elle est récupérée par Pezzetta par la suite. On se dirige vers le devant du filet, une rondelle qui devient libre pour Savard. Et vous voyez cette rondelle qui dévie contre Slavkovski. Top fielding, dropped it, Slepkowski drags it. Holds on, backhand over to that. For Nick Suzuki, pass across, scores! Slepkowski bangs it in his own rebound. A power play goal, and we're tied at one. So it's Nick Suzuki will find Slepkowski down low to Caulfield, nice and patient, and then as Suzuki starts to walk. Mercer after it, Caulfield knocks it out of the air, front, Slepkowski scores! What a setup! Matheson and Monahan remet derrière, oh, quelle belle séquence! Slepkowski, l'échange entre Suzuki, Caulfield, Matheson, Monahan et Slepkowski. Le capitaine est le dernier à toucher à cette rondelle en faisant dévier dans une cage qui est désormais abandonnée. Centering, bounces to Slepkowski, backdoor feed, bounces in. Matheson for Slepkowski, pressured by Sidney Crosby. Slepkowski winds his way up to center. The end of the Penguins' zone, Slepkowski to the net!
and a stop made by Jarry. Jarry Hall had the puck for the first minute and a half of the overtime. Slafkovský, nice little deke around, moves around, can't beat Jarry. Evans, he va d'une belle passe derrière, et un tir et l'ami! Juraj Slafkovský sur une superbe pièce préparée par Jake Evans, et quel gros but, c'est 4-1 Montréal. La vigilance de Darcy Kemper, le travail en entrée de territoire, la remise de Matheson à la faveur de Evans qui ouvre le flanc gauche complètement pour Slafkovský. Il attend que ce point de fer varie. Lutrisson, Matheson, à Slafkovský, il a mis! Cette fois, c'est un tir frappé sur réception. Absolument précis. C'est 5-2. Un peu plus de tirs sur réception depuis cet endroit. Est-ce que ça va devenir son endroit de prédilection? Pourquoi pas avoir une menace de chaque côté? C'est pas une mauvaise idée. Matheson y est allé de la feinte initiale. Et personne ne s'est méfié de Slafkovský. Lorsqu'il décoche ce tir sur réception, il bat Kemper. Rondelle libre, retour donné par Oettinger. Suzuki à Slafkovský. Rester dans le coup, c'est d'inscrire un but à un moment important. Il aurait pu avoir pénalité contre Dadonov ici, mais lorsqu'on abandonne le marquage par la suite, Harley ne suit pas Slafkovský. Un angle difficile, mais Oettinger n'a jamais repéré cette rondelle. Il est allé à la devinette un peu, la passe de Suzuki, elle est parfaite, et le tir est pris. The shot, hesitates. Slafkovský walks it in, and Brock Suzuki scores! It's Juraj Slafkovský who attacks off the half wall. What a pass right through the four players for the St. Louis Blues. And that's a wide open cage for Nick Suzuki. The first power play, and it stuck with it. They had a number of great sequences. They're finally able to create a little separation in the offensive zone. Spin and shoot all at once. Chipped ahead, Slafkovský gets around his man. Redirected in by Suzuki. Goaltender to play the shot. Unfortunately, Slafkovský right on the doorstep and unable to shovel it home was Caulfield, but it comes across and they score on the power play at last. Suzuki again. Just around the top of the goal crease. That passing lane is wide open on the back. Makes the save and on the rebound and Slafkovský scores. Lucas did all he could do. And shot by Slafkovský scores! Boy, Slafkovský with a lot on that shot. As he beat Jonathan Quick, that breaks the Rangers' four-goal streak. Here comes the pass, and you'll see the intercept. Kreider was well outside. Caulfield kept it in and just tipped it over to Slafkovský. Slafkovský is set up, you see him right there, top of the circle behind Suzuki. And he gets it, and he shoots, and he scores! Out at center ice, here comes Slafkovský, right wing, and Caulfield's in! Moses and scores! Turns the puck over here, Slafkovský with just a great pass across. Caulfield delayed, and this is a tough first save. Coming up for Samsonov, he's unable to make it. The entry. There's the zone entry they were looking for. Slafkovský to Suzuki and back. And Matheson at the point. Watch by Yarncroke. A pass here to Hookin. Scores! Remet ensuite à Matheson. Voilà aussitôt Slafkovský! Eh bien, il avait préparé deux buts samedi. Il en marque un ce soir. C'est 2-0. Efficace. Les Blue Jackets étaient top 5 dans la Ligue nationale de hockey au mois de décembre en infériorité numérique. Ils sont maintenant dans les bas-fonds et on compte. Caulfield vient passer par l'eau. Le tir de Suzuki, il a mis! Oh, mais quelle réaction de Juraj Slafkovský pour lui remettre la rondelle une deuxième fois. C'est son travail en échec avant de Caulfield contre Carlo, beaucoup plus grand que lui. Il faut dire que c'est Carlo lui-même qui mène
en fait, qui est responsable du revirement. Il veut refiler le disque dans le centre du territoire pour amorcer la sortie de zone, mais Suzuki est là pour la récupérer. Slavkovski. Slavkovski. Back to Suzuki. Gets around a check. Has Caulfield with it. Caulfield scores! And he'll step up on this play here when he does. Passe du revers. Et une remise arrière à Slavkovski. Slavkovski. Oh! Caulfield. Remet de Caulfield remet à nouveau. Et le tir est ami! Est-ce que c'est encore Slavkovski qui fait dévier? À Suzuki, à Slavkovski, voilà le tir! À Nunendo de retour et un autre tir! Matheson, une fin de tir. La passe est dans la filet. Les mineurs doubles sont terminés. Jacka et Lawton sont de retour. Voilà Slavkovski. Oh, qui compte au Lawton! Et le tir! Matheson passe d'une main vers Slavkovski, tir de revers! Qui remet à Slavkovski. Slavkovski passe, Caulfield le tir! Et un autre tir raté. Slavkovski a été généreux. Il reprend. Cette fois, il remet à New Hook. Et derrière à Matheson. Et par Suzuki, la rondelle revient à Matheson. Voilà un tir à Jacka. Quel jeu bizarre. Il y avait un bâton brisé sur la patte au passage. Slavkovski, lui, qui avait tout vu la trajectoire de cette rondelle, va la faire dévier. Son tir touche un patin. Slavkovski reprend. Slavkovski remet vers Suzuki. Pezzetta passes it down low. Slavkovski across, scores. Nick Suzuki, power play goal. Wow, what a play by Slavkovski here, though. Feels the pressure. Knows he has either Caulfield in front or far to the other side, the one-time option. I'm not sure if he was trying to hit Caulfield. You can see the lift of the stick. But how about the adjustment by Suzuki? Gets down on one knee. Matheson at Caulfield. And Matheson, the tip. Et ensuite à Matheson vers Suzuki. Et l'intercept de la mise en échec, là, comme tu dis souvent. Et c'est ça qui ouvre la porte. C'est 2-0. C'est de ressortir du jeu avec Aslansian. Suzuki se fait oublier de l'autre côté et va alimenter Slavkovski. Lorsque les deux joueurs qui vont du même côté, c'est-à-dire Lawton. Là, c'est le chapeau, Slavkovski, le tir! Et les casquettes! Le tour du chapeau en carrière lorsqu'on profite d'un revirement de Forster. Et Slavkovski, lui, peut-être de la lenteur de ce troisième jeu du côté des Flyers. Du moins, en sortant du banc des siens. Coupe en plein cœur du territoire. Pas avec un tir déployé. Samuel Ersson. Caulfield à Slavkovski. Le tir de Suzuki est bloqué par le défenseur qui n'a plus de bâton. Tout un jeu de la part de Ryan Pollock. Suzuki reprend. Remet derrière à Caulfield. Et le tir de Harris. Et le but! Suzuki. La passe, le tir. Non. Présence qui s'étire évidemment pour Sherrod Perron. Direction créée par la déviation du Rai Slavkovski juste ici et avec...